L'invité explicateur de code 243, nous avons en ligne M. Vital Kamerhe, président de l'UNC, celui qui a été parmi les organisateurs de la grande marche de Kinshasa qui s'est déroulée ce matin. M. Vital, bonsoir. Nous venons de recevoir plusieurs images qui nous montrent que la marche de ce matin était une grande réussite. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques commentaires du point de vue de l'estimation de l'organisation, du nombre de personnes à vous? Oui, je veux d'abord féliciter les Kinoises et les Kinois, et puis féliciter aussi les habitants de Goma, puisque à Goma, c'était, je crois, autant d'envergure qu'à Kinshasa. Mais malheureusement, à Goma, la police sirote du gouverneur a jugé bon de disperser les membres de l'opposition et de la société civile avec des bombes lacrymogènes. Mais quand cela ne tienne, ils ont démontré leur force. Ici, à Kinshasa, la population a répondu à l'appel de l'opposition et de la société civile parce que nous n'étions pas seuls, c'était nous. Plus la voix des sans-voix, Azado, l'INELIT et toutes les organisations de l'autorité nationale internationale de la société civile. Exact. Et d'ailleurs, Jean-Claude Katende a pris la parole de l'île et la voix de sa voix dans la plaine de Tibet, qui est maintenant à la fête, et tout comme avant Léonie Candelo. Nous, les politiciens, nous avons parlé en second lieu pour montrer que l'aspect politique, ce n'était pas la connotation que nous voulons donner à la marche. Exact. Nous voulions montrer que c'est une d'esprit et d'idées entre les leaders et le peuple qui veut le changement. Du point de vue estimation, je voudrais vous dire que nous avons occupé 4 bandes du boulevard Lumumba qui a été rénové puisque c'est 8 bandes maintenant. Donc, occupé 4 bandes malgré nous, puisque l'itinéraire qui nous était tracé par le gouverneur de la ville, initialement, nous devions nous contenter du petit boulevard. Je crois que les policiers eux-mêmes, ils ont vu l'ampleur de la marche. Et finalement, ils ont compris que pour éviter des dégâts et des casses, il fallait laisser les gens marcher sur le grand boulevard. Une petite idée, nous étions, parce que nous avons voulu faire comme Jésus-Christ, nous les leaders, nous étions derrière et nos membres. Nous nous trouvions encore au niveau de la 16e rue, quand la tête de peloton, tu connais bien Kinshasa, était déjà au niveau de la première rue. Donc ça peut te donner une idée, c'est une distance de 7 km. Compact. Et quand nous étions au niveau de la place commerciale, la tête de peloton était déjà au niveau du boulevard Triomphal. Et nous sommes arrivés, évidemment, il y en a qui étaient fatigués, qui sont partis, mais malgré ça, nous sommes restés avec beaucoup de monde pour faire le meeting. Nous avons tous parlé, moi-même, Bruno Mavungo, de l'IDPS, Jean-Michel Boussa, de CDR, Franck Diongo, Jean-Claude Mvemba, Koudoura Kassongo, sa femme, Madame Pascaline Koudoura, qui est la présidente ad intérim de la majorité de Dominongala, Jean-Claude Mvemba, tout le monde a parlé. Et je peux, moi-même, si je veux me hasarder, il y a un journaliste étranger qui a dit, mais Monsieur Kamerhe, pourquoi vous n'avez pas pris à peine 400 000 personnes? Alors, je lui dis, bon, vous parlez de 400 000, d'après vous, nous pouvons être estimés à combien? Il dit, bon, si je fais le calcul rapide, moi, je plus ou moins 200 000. Je dis, ok, très bien, ça, ce sont vos calculs. Mais moi, je préfère, Abraham, qu'en cette matière, nous puissions vous envoyer une vidéo filmée par des professionnels au niveau aérien qui vous montre comment le boulevard Lumumba, l'échangeur, jusqu'à la première rue, nous l'avons occupé. Et donc, pour savoir à peu près à quel niveau nous étions. Et le plus important, c'était l'expression libre du peuple. Et nous avons démontré que quand la police n'intervient pas avec la brutalité, et quand elle n'est pas instrumentalisée par le pouvoir, nous ne provoquons personne, il n'y a eu ni blessé, ni véhicule cassé, ni injure, ni
rebelles et nous sommes fatigués de voir Kabila, il doit partir. Il a échoué tous ses mandats et nous pensons que le Congo mérite mieux que Kabila. Voilà, et la prochaine étape, je sais que vous allez faire une, ensemble avec les autres partis et la société civile, une évaluation de la marche. Qu'est-ce qui est prévu ensuite? Vous avez fait des tournées à l'intérieur, vous allez encore convoquer des marches, ou est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? J'ai entendu deux idées, trois d'ailleurs, j'allais dire. Il y en a qui penchent pour le sit-in devant le palais du peuple pour empêcher les députés et les sénateurs de trahir le peuple congolais en examinant les projets de loi qui sont, et même ces projets-là, inconstitutionnels, puis sont des projets de loi qui parlent de la révision de la Constitution. Et la question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce qu'un gouvernement qui expédie les affaires courantes depuis le mois d'octobre de l'année passée peut se permettre de prendre l'initiative de modifier la Constitution? Est-ce que la révision constitutionnelle fait partie des matières courantes d'un gouvernement? C'est inconstitutionnel. Il y a une autre idée, j'ai entendu quelqu'un dire, est-ce que nous ne pouvons pas chaque samedi, comme ça, nous venons avec le peuple jusqu'à ce que Kabila se fatigue? Mais une autre idée qui semble être beaucoup plus progressiste, à mon avis, c'est celle de dire, bon, on peut commencer par le Bas-Congo avant de faire le tour sur l'ensemble du territoire national, parce que le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Exact. C'est aussi l'intérêt du pays. Et là-bas, les gens, comme ils sont marginalisés, paupérisés, ils sont encore plus en cours. Qui voient même l'eau de loin et l'électricité de loin. Mais il y a des coins du Congo où les gens ont vu la lumière et l'eau il y a plus de 40 ans. Exact. Voilà, en tout cas, Monsieur Vital, nous voulons vous remercier pour ce temps que vous accordez. Je sais que vous avez marché et ce n'est pas très facile, très aisé sous ce soleil. Vous avez nos encouragements de Code 243 et de cette diaspora qui croisait les doigts, qui était en prière, se posant la question de savoir comment ça allait se passer. Vraiment, félicitations à cette opposition, félicitations à l'encadrement de la population qui a évité qu'il y ait des troubles, qu'il y ait des voitures brûlées ou des actes de vandalisme. Nous vous remercions pour toutes choses et vous rappelons que Code 243 est là, toujours à l'écoute et prête à vous tendre le micro s'il y a un message important à donner à la nation. Non, Jean-Marie, je vous remercie. Donc, merci beaucoup comme vous l'avez dit. Et donc...